Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Gino le tuning avec Gino. Bonsoir à tous, c'est Gino, on est dans Gino le tuning, hashtag j'entends lui sur les réseaux sociaux. Et ce soir, mes petites couilles, comme d'habitude, on va parler de gros cylindrés, de V12, d'incrustation Néo, de Vitanté. Mais ce soir, pour célébrer la fête de la frite de mer, et ben on va parler de tout ça, mais en bouffant les frites. Kevin, arrête tout là-haut. Foutez de ma gueule ou quoi là? Ça va, désolé patron, ça va. La patate ça se respecte, ok les gars? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça se dorlote. La patate ça se chérit. Ouais. Bah oui les gars, comme un V6, comme un V8, comme un V12. Avec ou sans maillot, ça revient même. Alors ok. Vous savez quoi, non, vous m'avez emmerdé pour la peine, je vous présente même pas. Envoie le sommaire direct, Kevin, envoie le sommaire. Ce soir dans Gino le Tuning, notre invité Philippe Candeloro viendra nous parler de sa Clio Estate 2 qu'il vient tout juste d'acquérir sur le Bon Coin Giron. Notre enquête cette semaine avec un reportage exclusif sur les voitures des joueurs du RC Lens, Xantia, Ford Mustang, Volvo V40 ou encore cette bonne vieille Fiat Panda. Et voilà, il fallait bien que ça se passe. Il fallait bien que ça se passe avec cette fausse moustache de merde. Okay. J'ai moins bien tuné ma gueule que ma caisse, ça c'est sûr. Bon, pour commencer, s'il vous plaît, on peut se la fermer, les gars. Déjà que vous avez la bouche pleine, vous puez. On va commencer tout de suite avec le débat de la semaine. Alors, la question, bien sûr, on a l'habitude de se la poser, mais la question elle est importante aujourd'hui. Conduire ou manger des frites? Il faut choisir. Alors, voilà, justement, Wesley. Toi qui adore la frite et qui est l'heureux propriétaire d'un 4x4 Dacia Duster reboosté. D'ailleurs, belle mécanique. J'ai tant fait moi-même, je te jure. Alors toi, Mosley, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire choper avec une barquette au volant? Ça m'est arrivé, justement, la dernière fois, à la fête de la bière de Valenciennes. Je suis en train de me goinfrer de frites sur la départementale 7. Et tu sais, en direction de la D7, Ah, juste après l'échangeur de. C'est chaud là. Et là, direct, bordel, sirène, hélicoptère. Après, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu du cul. Le friton test était nickel. Ah, ils t'ont fait le friton test, ouais. Ok, je sais. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais ça marche pas encore très bien leur truc encore. Alors, heureusement, pour nous d'ailleurs, tiens, ma 110, ça me fait penser à un truc. T'avais réussi à faire partir la tache de gras sur la banquette avant de ta 206 GTI, toi? Bah non, toujours pas. J'ai tout essayé. Je crois que le plus simple, c'est de refaire entièrement la macellerie en cuir de vache véritable. Et un agriculteur il m'a dit que c'était plus simple à nettoyer. Hein. Vraiment les amis, si je peux vous donner un conseil, la friture au volant. Stop, on oublie. La friture au volant, on oublie, ça c'est bien dit. Mais l'alcool avant de passer à la radio, ça on l'oublie aussi. Ça c'est pas possible. Au moins, voilà des prises de. S'il vous plaît, les gars. Ouais. Un peu. C'est pas parce que c'est la fête de la frite que c'est la fête du slip. Dans Gino le Tuning, aujourd'hui c'est important. En tout cas, merci pour Sandy, ta prise de position forte. À la raison, on conduit jusqu'à la baraque à frites, on reconduit pour le retour, et là, paf. On mange les frites. Allez, pour finir. L'avis de Joyce sur la question du jour, m'intéresse. Ouais, parce que d'ailleurs, ma Joyce, je crois que tu as une anecdote à nous raconter, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai un peu honte, mais le jour où j'ai le permis et mon père m'a offert ma première Kangoo, merci Daddy, je fais une petite connerie. Bêtement, j'ai voulu faire cuire des frites avec mon huile de moteur là. Alors, les frites étaient bien cuites, mais alors la voiture aussi, quoi. On parle pas de Joyce, il m'est arrivé la même chose, mais avec du liquide de frein. Allez, on voit la musique, Kéké, on est parti. On se retrouve dans un instant avec nos deux invités. On a Philippe Candeloro aujourd'hui qui viendra nous parler de sa nouvelle Clio Estate 2 qui vient d'acheter sur le Bon Coin. Belle affaire, le con. Et on aura aussi évidemment l'enquête de la semaine. Vous saurez enfin dans quel carrosse roule Tony Vérel. À dans un instant, mes petites couilles. Allez là. Vive la frite. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.